Salut à tous, comme pourrait l'indiquer tout ce décor, malheureusement, nous ne sommes pas en vacances. Nous sommes ici à Sousse pour la 28e édition du championnat d'Afrique des clubs champions. On regarde le sommaire. Au sommaire de cette 48e édition spéciale championnat d'Afrique des clubs à Sousse. Douze équipes se sont donné rendez-vous ici à Sousse et de mémoire, jamais un championnat des clubs n'aura été aussi disputé. On regarde le premier tour. Garder la première place du groupe, tel est l'objectif de Constantine ici en blanc, à l'assaut du club hôte, l'Étoile du Sahel en noir. Une première période très équilibrée où les deux équipes à mi-quart-temps sont à égalité, 6-6 puis 8-8, à 2 minutes de la fin du carton. C'est Constantine qui vire devant 12-10. Le match est très défensif et les égalités se succèdent. Dans le deuxième carton, à 4 minutes, le score est de 19 partout. Mais à 1 minute de la mi-temps, Constantine a pris une avance de 5 points, 27 à 22. À la mi-temps, c'est au tour de l'Étoile de posséder une avance de 29 à 27. Le dénouement du match semble se faire alors lors de la troisième période avec une équipe étoilaise qui a trouvé ses repères sur les tirs extérieurs. À 2 minutes de la fin de la période, le score est passé à 10 points d'écart en faveur de l'Étoile, 51 à 41. À la fin du quart-temps, l'Étoile mène 57 à 41. La dernière période est décisive. Constantine opte pour le jeu intérieur qui lui réussit. Il revient alors à 6 points, à 3 minutes de la fin. Mais l'Étoile tient bon et l'emporte 70-61. Un match à ne pas perdre pour les deux équipes, à défaut d'être éliminées. Une quatrième place synonyme de qualification pour le second tour. Conscient de cette donne, Ferroviaro ici en jaune et Tali en vert vont attaquer à tout va cette première période qui tourne à l'avantage du club gabonais avec un écart de 2 points, 19-17. Les deux équipes ont rivalisé au niveau des points intérieurs. 8-8 et sur les tirs, 32% contre 39% pour Tali. Dans le deuxième quart-temps, Tali va prendre l'avantage, mais pas pour longtemps, car grâce à son banc, Ferroviaro, 11 points contre 3, a juste le temps de revenir sur Tali, qui mène à la pause d'un point, 38 à 37. Les deux équipes se rendent coup sur coup, et à l'issue de la troisième période, les deux équipes sont à égalité, 54 partout. Le dernier carton va déterminer la quatrième équipe qualifiée pour le prochain tour. À 3 minutes de la fin, c'est Ferroviario qui est devant avec 3 points d'avance, 67-64. À 1 minute de la fin, le score est de 73 à 68. À 30 secondes, égalité, 73 partout. Il ne reste que 3 secondes, panier de Tali qui prend l'avantage, 75-73 et l'emporte. Je vous laisse découvrir les résultats et les classements du groupe A. Par le hasard du calendrier, le grand match de la journée entre deux équipes qui se connaissent bien. Le champion d'Afrique en titre, le Primeiro de Agosto en blanc, face à l'Ibolo en orange. Un premier carton défensif et un match équilibré où les deux équipes vont prendre tour à tour l'avantage. À l'issue de cette première période, c'est le Primeiro de Agosto qui passe devant avec un écart de 2 points, 19-17. Le score est toujours serré en deuxième carton et l'écart ne dépasse pas plus de 2 points. À 1 minute de la pause, le score est de 39-37 pour le Primeiro qui atteint la pause avec une avance de 3 points, 41-38. Le champion d'Afrique en titre va profiter de son euphorie et sa réussite sur les tirs pour s'échapper avec 16 points d'avance à l'issue de la troisième période, 66-50. Le dernier carton permet au Primeiro d'affirmer sa suprématie du jour en l'emportant 79-65. Gare aux perdants car définitivement éliminés. Les Équato-Guinéens de Malabo en blanc et les Nigériens de Kano Pillars en vert ne se feront pas de cadeaux. Malabo l'a bien compris et a pris ce match par le bon bout. Avec un écart de 18-0 dès le début de la partie, Malabo remporte le premier carton 34 à 16. Malabo continue sur son lancée et possède à la fin du deuxième carton 9 points d'avance, 49 à 40. Au troisième carton, le jeu est plus équilibré en début de période. Malabo marque 10 points
et Kano, 9 points, score 59 à 49. À la fin de ce troisième quart-temps, l'avantage est à Malabo qui mène 76 à 62. C'est dans le dernier quart-temps que Malabo va se détacher en menant 83 à 68 d'abord, puis 91-85 en fin de match. Je vous laisse découvrir les résultats et le classement du groupe B. Voilà, nous en sommes au stade des demi-finales, des demi-finales qui vont opposer d'une part Libolo qui s'est renforcé avec Carlos Moraes face à l'Étoile du Sahel, le club hôte. Et puis ensuite, le premier de Agosto, champion d'Afrique en titre, qui va rencontrer l'équipe de cet homme, qui n'est autre que le coach Maré, père de Hassan Maré, l'homme qui a fait mal à l'Afrobasket Abidjan 2013. On regarde. Un début de match très discret pour l'Étoile du Sahel, ici en blanc, qui encaisse un 7-0 après 3 minutes de jeu, puis 13-0. Cela ne semble pas bien démarrer pour le club organisateur, malgré un public très nombreux et acquis à sa cause. Même si l'Étoile revient à 10 points grâce au tir extérieur d'Amin Rezig, le score à la fin de la première période est de 23 à 10 pour Libolo. Le départ catastrophique, il faut oublier bien vite pour attaquer le deuxième carton. Après 2 minutes de jeu dans le deuxième quart-temps, l'Étoile a refait une partie de son retard en revenant à 1 point de son adversaire, 27 à 26. L'Étoile va ensuite perdre l'avantage, 28 à 27. Les changements d'avantage se succèdent, mais à 40 secondes de la mi-temps, c'est Libolo qui mène 42 à 33. À la pause, le score est de 44 à 33 pour Libolo. Au troisième quart-temps, le jeu s'est équilibré car l'écart n'est plus que de 5 points à 4 minutes du terme de la période, 51-46, qui finalement se termine par l'avantage du club angolais, 56 à 49. Au quatrième quart-temps, poussé par son public, l'Étoile revient à 1 point, puis passe devant grâce à 2 tirs extérieurs d'Atef Mawa, 58 à 56. Égalité 60-60 à 6 minutes de la fin, 62-62 à 2 minutes 30. À 30 secondes, l'Étoile possède l'avantage avec 1 point, 64 à 63. À 10 secondes de la fin, le score est de 66-63 pour l'Étoile, cela sent bon. Finalement, dans une joie indescriptible, l'Étoile s'impose de 4 points, 67 à 63. Le champion d'Afrique, le primero en blanc, est le premier à entrer dans le match en menant 14 à 8 dans la première moitié du carton, le Sporting ayant perdu des balles qui lui coûtent 6 points. Mais dans la deuxième moitié de la période, le club d'Alexandrie revient à 1 point, 21-20, et perd le carton. En deuxième période, les deux équipes sont proches. Sporting marque 11 points et Primeiro 13. À la mi-temps, le champion d'Afrique mène 34 à 31. Le club égyptien revient à égalité 36-36, puis 38-38 à 6 minutes 30 de la période. Mais très serein, Primeiro remporte le troisième carton, 53 à 48. Dans la dernière période, les deux équipes sont à égalité 58-58 à 5 minutes du terme. L'écart ne cesse d'être serré. À 1 minute de la fin, Primeiro possède un léger avantage, 68 à 65. À 30 secondes, l'écart n'est plus que de 2 points, 70-68. Armando Costa, dans un drive, marque 2 autres points, score 72-68, avant que Feliciaro ne parachève la victoire avec un dunk magistral. Le Primeiro en sera à sa 9e finale. Grande finale de cette 28e Coupe d'Afrique des clubs champions dans une ambiance extraordinaire. Rappelez-vous, il y a 2 ans, en 2011, l'Étoile du Sahel rencontrait le Primeiro de Agosto. Cette fois-ci, c'est la revanche car l'Étoile du Sahel l'avait remporté à Salé. On regarde le résumé de la finale.
Le premier carton de cette finale est un véritable round d'observation. En effet, après avoir mené d'un point 9-8 dès les 5 premières minutes, l'étoile a partagé les points à l'issue du premier carton, 14-14. Ce sera aussi une égalité 19-19 à l'entame de la deuxième partie de la deuxième période. Le primero va prendre l'avantage à la mi-temps en profitant des points marqués à l'intérieur de la raquette, 16 points contre 8. Score à la mi-temps, 29-23 en faveur du primero. Au troisième carton, le club local va se ressaisir et revenir à 2 points, 34-32 à mi-carton. L'étoile passe devant d'un point, 35-34, pas pour longtemps, car à 4 minutes de la fin de la période, c'est le primero qui possède un avantage de 7 points, 42-35. Cédric Ison va redonner de l'air à Primero en réussissant un tir à 3 points. Les champions en titre ont 10 points d'avance, 45-35, à 3 minutes de la fin du troisième carton. À la fin de la période, Primero possède maintenant 12 points, 52-40. Dans le dernier carton, Primero ne relâche pas la pression, bien au contraire. Grâce à son expérience, l'équipe championne d'Afrique gère la fin du match. À 4 minutes de la fin, le score est de 58-45. À chaque panier de son adversaire, le Primero répond de plus belle. À 1 minute 30, il mène de 10 points, 63-53. Il ne reste plus que 30 secondes à jouer. Le Primero possède une avance de 6 points, 65-59. Finalement, le score final sera de 68-61 pour le Primero, qui est de nouveau champion d'Afrique. Very happy. It was a tough game, but we came together, we fought hard, and we came out with a win. That's 7 finals for me. Champion, champion. 7 finals. Champion. I have to congratulate my players because they were very, very, very big, very strong on the game today. Toma! Toma! Voilà, Afrobasket, c'est fini. Je vous souhaite un joyeux Noël et une très belle année pour l'année prochaine 2014. Ciao.